Qu'on a lancé en 2015 avec pour but de faire la promotion du cyclisme féminin et d'inciter à l'organisation d'un Tour de France féminin qui n'existe plus depuis les années 80. On a été sur les routes à réaliser exactement les mêmes étapes que le peloton du Tour de France un jour avant, en invitant aussi les gens à rouler avec nous. Donc à l'heure actuelle, on a 35 femmes et 35 hommes qui sont invités chaque jour à prendre la route à nos côtés. Petit à petit, le projet a grossi et puis on a eu le plaisir l'année dernière d'apprendre l'annonce par ASO, donc les organisateurs du Tour, qu'ils organiseraient donc à partir de 2022 cette fameuse course. Donc pour nous, c'est une belle victoire et on continue à rester mobilisés pour travailler vraiment sur l'aspect développement avec des ambassadrices qui mettent en place des actions dans les différents territoires traversés pour créer des dynamiques locales en faveur du cyclisme féminin. Pour qu'une fois notre passage passé, une dynamique continue à se mettre en place et que le soufflet ne retombe pas. Voilà. Levez les mains, levez les mains. Oh, il y a 24 secondes.